suis extrêmement content pour Air France et très honoré d'avoir reçu le prix Clément, parce que je pense que c'est reconnaître une enseigne et une marque qui tourne pour l'économie française, et je crois que Air France fait partie de cette définition. Donc je suis extrêmement reconnaissant à l'IREF de m'avoir attribué ce prix aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que même si le modèle d'Air France n'est évidemment pas un modèle de franchise, tout le long de la présentation de ce soir, avec notamment la remise de prix, j'ai été extrêmement impressionné par le dynamisme des compagnies présentées, qui ont reçu des prix, qui ont expliqué leur modèle économique, et qui, je crois, est un modèle économique fait d'initiatives individuelles, de prise de risque économique individuelle, qui traduit donc un vrai dynamisme économique pour la France et pour l'Europe. Et donc, je crois que c'est quelque chose d'assez exemplaire. Cette animation que joue l'IREF et ce développement, parfois extrêmement impressionnant, on l'a vu ce soir, de certaines enseignes qui irriguent à partir de la France souvent l'Europe ou le monde entier. Il y avait notamment cet exemple de magasin de vente de vin en Chine, qui se développe avec une très forte rapidité, grâce notamment au modèle de franchise qui, je crois, offre souplesse et réactivité. Le monde de la franchise, c'est d'abord une démarche très individuelle de personnes qui savent prendre un risque, qui s'engagent pleinement dans la réussite de leur agence ou de leur boutique ou de leur activité franchisée, et que tout ça, je crois, c'est un exemple à suivre en matière de dynamisme, d'engagement personnel. Et je pense que pour nous, qui sommes plutôt des grosses entreprises avec beaucoup de salariés et qui essayons de nous développer aussi, ces valeurs sont une vraie leçon. On est très fiers à Air France de développer toutes nos activités de vol à travers le monde, d'aider les gens à se rencontrer, d'aider les gens à développer leur entreprise et leur activité économique, et que tout ça mérite respect, écoute de l'autre, et que autant que faire se peut, évidemment, il faut arrêter, ou il faut empêcher, ou il faut limiter les impacts d'événements comme ceux qu'on a connus au cours du mois de septembre, et qui sont pour nous évidemment des événements très très négatifs et qu'on regrette infiniment.